Et bonjour à tous, ici Aribals le Magnifique pour le 7ème épisode du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. La dernière fois on avait buté ce dragon, enfin, après 3 épisodes, on avait enfin buté ce dragon, même si Glowin a été réticent et ne voulait pas m'obéir. Et du coup nous sommes en direction de la Cité des Elfes, là où on devra apparemment sauver un village ou je sais pas trop. Un village qui a peut-être été envahi par des orques ou autres. Là, on peut voir sur l'image qu'il n'y a que Glowin en nain déjà. Je vois pas d'autres nains. et que on va au secours donc du village. Ah, nous allons voir. Après des milliers d'années, les elfes de la Terre du Milieu ont finalement commencé leur exode par-delà l'océan. Ils se rassemblent dans la cité portuaire de Midland, au Havre Gris, pour apparaître vers l'ouest. Mais désormais, même cette cité isolée n'est plus à l'abri de Sauron. Les corsaires d'Umbar, venus du sud, ont bloqué leur voie maritime et menacent d'envahir le port antique. Glorfindel, on nous a dit que vous viendriez peut-être. Les pirates du sud ont coulé nos navires et mis le port à sac. Et maintenant, leurs navires sillonnent le golfe et coulent tous les bateaux qui tentent de fuir. Ah, nain! Retournez dans les grottes et dites à nos frères que l'ennemi est là. Ils vous écouteront sûrement. Retournons vers les montagnes ah, bleues. Donc voilà, ça commence. Chassez ces fléaux de corsaires. Voyons voir qu'est-ce qui... Ah oui, d'accord. Ils nous attaquent tout. Je vais directement y aller. Je vais essayer d'optimiser mon attaque. Nous devons protéger ces genre en faisant que eux attaquent... eux là, ils vont attaquer plus. Eux là-bas. Non. Eux vont attaquer eux. Voilà. Voilà. Glorfindel, tu vas aller m'attaquer eux. Glowin, eux. Voilà. Ça, c'est de la bonne optimisation. À peu près. Ah, ils ont buté mon Malorn. Gardez l'équilibre! Laissez chanter vos arcs! On a un autre Malorn là-bas? Non, le truc c'est que les Malorn ça va me permettre de gagner de l'argent, donc c'est un petit peu chiant. Tenez bon! Attendez, Glowin là il va faire son super power! Maintenant qu'il est plus dans la mine des nains, il risque de m'obéir. Soyez vaillants! Allez, vas-y Glowin! Super power! Bam! Ah. Ça fait mal hein! Ah, ils évoluent, c'est cool ça. Donc mes troupes, je vais du coup les avancer. Ne les laissez pas souffler. Les rebuts d'Umbar ont été balayés. L'ombre doit être arrêtée. Là, en fait, j'ai déjà fait le niveau une fois tout à l'heure, toujours à cause d'un problème d'enregistrement, ça m'arrive toujours, ce truc-là. Du coup, comme je disais, je l'ai fait tout à l'heure, donc je sais directement ce que je dois faire à peu près. Et enfin, j'ai joué que pendant 5 minutes, donc au final, je connais que le début. Donc pour l'instant, je vais construire des tours au cas où, je sais pas si des troupes ennemies peuvent venir. Donc au final, je vais laisser mes troupes là. Vous, là, je vais vous mettre comme ça. Et là, je vais pas faire le con, c'est la dernière fois, si vous voulez, j'avais dépensé tout mon argent qu'il y avait là. Et le truc, c'est que sachant que j'ai qu'un seul Malorn, ou deux, attends, encore en vie, j'en ai qu'un. J'ai que celui-là de Malorn. Hein. Celui-là et celui-là. J'en ai que deux, voilà, en vie. Du coup, sachant que j'en ai que deux en vie, c'est pas très, très cool que je dépense tout mon argent. Donc, ce que je vais faire, c'est améliorer ma caserne et améliorer mon château au cas où. Là, j'ai mis, comme vous pouvez voir. Nous contrôlons les deux chantiers. Ici j'ai mis un Ent, donc l'Ent qui balance des pierres sur les ennemis comme une catapulte quoi. Nous avons agrandi la caserne. N'empêche, exploiter les arbres comme ça, c'est pas très écolo. Au contraire, c'est très écolo, ça dépend. C'est pas très cool quand même.
Je serai votre Donc je vais écarter mes héros parce que ça va être une bataille navale. Et c'est pour ça que j'ai pris le contrôle de ces ports pendant que je vous montre autre chose. J'ai pris le contrôle de ces ports là où je pourrais construire donc des bateaux. Parce que sans bateaux, une bataille navale c'est pas très pratique. Donc je dois en construire 4. C'est mon objectif. Même si je sais que je vais me faire défoncer complètement. Donc, sachant qu'ils ne peuvent normalement pas arriver par bateau, enfin je sais pas après. Je vais au cas où laisser mes héros là, mais mes autres troupes, je les mets là. N'oubliez pas d'améliorer l'endurance et la cuirasse de nos vaisseaux. Voilà, hop, hop, endurance et cuirasse. Endurance et cuirasse. Et je vais peut-être en refaire un ou deux de plus, je sais pas. Ben, après, il faudra que je fasse ce vaisseau-là, un vaisseau tempête. C'est le moment où j'ai dû quitter. Au moment où je devais faire ce vaisseau-là. Nous avons agrandi la caserne. Et le truc, c'est que bon, ça enregistrait plus, donc voilà. Et il coûte vachement cher, il coûte 1000 ce vaisseau. Beau travail. Avec ces vaisseaux de guerre, les corsaires sont perdus. C'est pour ça que je dois économiser un petit peu. Je dois me garder au moins 1000. Allons leur livrer bataille. C'est parti. Allons leur livrer bataille. Ils sont en train de s'améliorer l'armure et les armes, donc j'attends un petit peu encore. Lui, il en est où? Ok, ils ont presque terminé. Donc du coup, c'est quoi mes autres objectifs? Je peux juste briser le blocus corsaire naval. Donc bah, je vais y aller, quoi. Allez-y, mes bateaux. Un petit peu con parce qu'ils sont tous emboîtés, là. En vrai, dans la vraie... Oh putain. Mais c'est quoi, ça? D'où ils se dandinent comme ça, les bateaux? Voilà. Est-ce que je peux me construire autre chose en attendant? Là, je peux me reconstruire des bateaux comme ça. Je vais le faire. Hein. Hop, 2. Je me garde toujours 1000, hein, vous inquiétez pas. En espérant qu'ils savent ce qu'ils font. D'abord détruisez celui-là. Après celui-là. Et voilà. Oh putain. Les vaisseaux noirs ont bloqué nos ports. Ils attaquent. Attaquez-les. Mais allez, mais arrête de tourner en rond, toi. Mais d'où? Mais en fait, il se fait... Mais c'est pas les autres tamponneuses, ici, putain. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Oh là là, quelle bataille serrée. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Les architectes navals ont construit un vaisseau enchanté. Quand il est prône un navire ennemi, il explose en créant un tourbillon d'eau. Et tous les ennemis, mais aussi les alliés proches. Construisez un vaisseau tempête dans le chantier naval. C'est bon, j'ai assez. Donc le vaisseau tempête, c'est celui-là. Ben, j'en étais exactement à là. Parce qu'en fait, regardez ce qui arrive des ennemis, là. C'est pas très cool. Il frappe à nouveau. Je sens que je vais bientôt crever. Mais quand même, ils se débrouillent bien, hein. Mes vaisseaux. Allez, vaisseau tempête. Va aller là-bas. Oh, mais ça va en fait. Regardez, j'ai détruit les vaisseaux qui étaient censés venir pour me tuer. Du coup, voilà, j'en suis à... Ah tiens, j'ai reçu des pouvoirs. Quel pouvoir prendre? Ça, c'est pour construire une tour, c'est pratique. Ouais, totalement, je vais faire ça. Parce que j'aime bien les tours. Et d'ailleurs, je vais en construire une. Au cas où, j'ai vraiment peur que des ennemis viennent par ici, donc au cas où, je m'en construis une là. Le vaisseau tempête est prêt. À l'attaque, vaisseau tempête. Je vais d'abord t'améliorer un petit peu. Voilà, voilà. Le temps de la petite amélioration. Alors, en attendant, mais je connais pas cette partie de la map. C'est pour ça que ça me fait un peu peur. Savoir s'il y a des ennemis ou pas par là-bas. Et après, il y a une autre partie de la map, il y a ce mur-là. Bon, ça va. Et après, il y a juste les bateaux qui peuvent me gêner. Ok, à l'attaque, vaisseau tempête. Montre ton pouvoir. Les vaisseaux noirs ont bloqué nos ports. Oui. Attaquez-les. Je sais, Glorfindel, je sais. Ils attaquent. Ah, ça fait mal, hein. Vous rigolez moins d'un coup, espèce de bateau.
C'est la meilleure insulte qui soit, espèce de bateau. Il faut que j'essaie de pas emporter mon bateau dedans. Voilà. Ouais, bah, je vais pas en reconstruire un. Hein. Fuck. Donc toi, là, qui est level 1. Et toi, t'es level combien? Level 1, bah, tout va bien. Normalement, je gagne face à un vaisseau. Parce que moi, j'ai une putain d'armure. Et vous avez rien. Voilà. Le blocus est brisé. Ah. Nous devons prendre les chantiers navals des corsaires. Or, c'est impossible sans les barges. Construisez-nous des barges pour faire traverser les eaux à nos bataillons. Bah ouais, bah attendez. Soyez patients. Je vais en construire... je sais pas combien les barges peuvent prendre d'unités. On peut transporter des unités dans l'eau. Oui, merci, mais combien? J'en sais absolument rien. Voilà. Bien. Maintenant que la barge est prête, faites embarquer nos bataillons d'elfes. Attendez, je vais quand même me reconstruire mes trucs. Mes troupes. Alors, qu'est-ce que je me prends? Déjà, je vais prendre mes deux héros. Hein. L'ombre doit être arrêtée. Toi, sois docile, petit bateau. Le combat a commencé. Ok. Bon, là, il y a déjà mes deux héros dedans. Tout va bien. Maintenant, je vais prendre des archers. Ah, mais en fait, j'aime pas. Hein. J'aime vraiment pas faire quitter mes troupes. Faire mes troupes quitter mon village là. J'aime vraiment pas. Ça me. Oh. Ça me stresse. Hein. S'imaginer là, on m'attaque, je suis foutu moi. Juste avec mes lances là. En plus, pas du tout amélioré. Trouvez-la et prenez leur chantier naval. Ok, bon, c'est là que je dois aller quoi. Hop. Du coup, voilà, mes troupes sont prêtes. J'attends que mon truc se fasse, que mon bateau là se fasse, pour pouvoir défendre mes autres bateaux, simplement. Voilà. Donc là, ils vont passer d'abord. Et je vais envoyer mes autres bateaux après. Voilà. J'ai bien fait apparemment, parce que vous pouvez voir que c'est assez tendu. Hein. 2 vs 1, c'est pas vraiment très légal, mais bon, on s'en bat les steaks. Ok, c'est parti. En route vers l'aventure. Les corsaires doivent venir d'une forteresse au sud. Trouvez-la et prenez leur chantier naval. J'essaie d'avancer progressivement au cas où il y a vraiment des bateaux. De la rive. Sélectionnez les bataillons qu'elle contient afin de les débarquer. Regardez ça, attendez. Les foyers sont menacés. Oh merde! C'est quoi cette merde? Gloin a été tué. Mais c'est quoi cette merde, putain? Mais non, mais aussi ils ont 15 bateaux, c'est quoi cette merde là? Ah mais non, là je suis pas d'accord là. En plus je dois reconstruire des bateaux comme ça pour pouvoir défendre mon village. Non mais là non. J'aurais dit oui, ça aurait été légal, mais là, ils apportent 15 000 bateaux, là. Franchement, c'est pas légal. Rien que pour la peine. Bombadil. Voilà, rien que pour la peine, là, j'envoie Bombadil pour les niquer. Okay.
On m'a dit qu'il est là pendant un temps restant, donc enfin voilà, c'est pas. Putain, en plus je dois refermer deux héros. En plus ils coûtent cher. Ils attaquent. Les corsaires doivent venir d'une forteresse au sud. Trouvez-la et prenez leur chantier naval. Oui, j'ai compris, Glorfindel. Tu vas pas me faire chier encore plus, hein. Nous ne devons pas approcher du feu. Bon, je vais essayer de détruire les troupes. Ils ont par là, avec mon comment il s'appelle déjà, mon Bombadil, voilà. Moi j'ai pu oublier son nom. L'ennemi est proche. C'est tellement épique ce type. Donc, bref, mes héros ils coûtent combien? Ouais, 1600 chacun. Mais oui, tant qu'on y est. Bon, je vais envoyer deux de mes troupes là. Avancez-vous. Avancez-vous. Bref, je suis désolé de vous d'avoir perdu ce premier truc là, mais bon. Ouais, vous avez vu que comment j'ai été pris à défaut là. Ils avaient aucun bateau, puis d'un coup ils en avaient 15. C'est n'importe quoi. Les corsaires doivent venir d'une forteresse au sud. Trouvez-la et prenez leur chantier naval. Ok, bon, vous allez monter dedans du coup. Et s'il meurt encore, ça va me faire vraiment très chier. Parce que du coup, bah, je pense que la partie prochaine, je vais faire une petite ellipse pour. Si jamais je suis encore bloqué, je vais attendre de récupérer un petit peu d'argent et mes héros. En attendant, là, bah, on suit l'aventure ensemble, quoi. Je fail ensemble et voilà. Je fail avec vous. Je fail ensemble, ça ne veut absolument rien dire. L'ennemi est en vue. C'est le mec qui a pas d'amis qui dit ça, quoi. Je fail le tout seul, moi. Ok. Ah. Apparemment, j'étais pas censé apporter mes héros. Enfin, aussi, ils précisent même pas, quoi. Les corsaires doivent venir d'une forteresse au sud. Trouvez-la et prenez leur chantier naval. Oui, j'ai compris, Glorfindel, merci. Sauf que les corsaires, c'est des gros connards. Tout ce que j'ai à dire. Nous devons nous dresser contre eux. Ok. De toute façon, j'ai une tour pour m'aider. Ouvrez l'œil, sentinelle. Qu'il tâte de vos lances. Elfes de Mictlan. Le feu est trop proche. Ouvrez l'œil. Vous n'avez pas intérêt de mourir, vous. Nous devons nous en emparer. Des intrus! Avertissez les autres! Le combat a commencé! Nous devons protéger la terre du milieu. C'est la première fois en vrai que j'attaque avec des types comme ça. Attends. Assaillez-les! Attendez là. Là ça me va pas là. Nous l'avons capturé. Les corsaires doivent venir d'une forteresse au sud. Parce que toi la catapulte là tu vas pas me faire chier longtemps. Voilà. Hein? Non mais oh. Plus ils osent encore essayer de prendre mes villages. Hein. C'est vraiment casse-couille. On leur a pas appris la politesse. Moi je vais leur apprendre. Surtout qu'ils ont tué mes deux héros là, ils vont souffrir. Ouais, mais je préfère ressusciter Glorfindel que Glowin, parce que Glorfindel au moins lui il m'obéit. Nous contrôlons les deux chantiers. Donc je vais attendre d'avoir 1600. Bah ouais, on contrôle les deux chantiers. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que je suis nul aussi. Le vent porte une note finissante venue de la mer. Les héros de l'armada sonnent l'assaut. Oh fuck. Bah ça je le savais qu'ils allaient attaquer au bout d'un moment, hein. C'est parti vous. Le problème c'est que là j'ai plus de héros, j'ai plus rien. C'est génial. Génial moi je dis. Je vais me faire complètement défoncer, mais ça, vous verrez ça au prochain épisode. Je suis désolé, c'est c'est 20 minutes et j'essaye de rester dans ce quota, quoi.
Donc voilà, hein. Vous verrez le moment où je vais me faire défoncer par toutes ces troupes dans pas très longtemps. Après-demain, normalement, j'essaie de sortir des épisodes tous les deux jours. Donc voilà, c'était Harry Balls pour vous servir.